Vous étiez pas sur le live d'hier, on a fait deux games sur Nuke, voilà, et aujourd'hui, bah, on va faire une game sur Nuke, une game sur Office pour changer un peu. Et voilà, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Skins Monkey, autrement dit peau de singe. Skins Monkey est un site de trading automatisé. Vous pourrez acheter, vendre ou échanger et tout ça instantanément vos 5 skins à 50$ contre un skin à 250, ou bien vos 100 skins à 2$ contre un à 200, ou bien votre skin à 2000 contre 10 à 200. C'est vous qui voyez, votre argent, votre choix. Vous aurez 5$ offerts si vous tradez au moins 100$. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un bonus de dépôt de 35% avec mon code en description pour pouvoir acheter des skins moins chers qu'ailleurs. Merci à Skins Monkey pour le partenariat et place à la vidéo. Oh vas-y, ça commence déjà. Behind dinked. Ok. Attends, je crois qu'il y avait un gars. Ok, 20 HP. One ramp. Ah vas-y ça. Putain, j'ai pris une tête de mon mate. Comment il m'a mis autant de dégâts, je ne comprends pas. Pourquoi 80? Il m'aurait pas mis deux têtes par hasard. On est en team scout là. Oh. Garage. Ah ouais. Ah ouais. Il en a mis du temps à tirer le frérot là. Non, 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 non. Non, je peux pas faire ça. Je vais couper le stream. Bon allez, il y a fin du stream hein. Ah lui c'est encore pire. Ce qu'il vient de faire là c'est encore pire. Je suis désolé. Je joue pas souvent en ce moment, soyez indulgent. Non, c'est CS2 aussi, la K elle tire bizarre. Oh non, tu m'es tué, moi. Non, je vais déco là. On va pas se victimiser, on va juste le. Voilà, voilà, la revanche du poulet. Ah, je tire trop mal, c'est ouf. Outside 50 HP. Oh merde. Bon, non, là t'abuses de. T'abuses du derrière le mur là quand même. Non, il abuse de. J'étais full derrière le mur. Ouais, nique ton père. Francule ta mère, j'ai envie de dire même. Elle est belle. Non, elle est belle. Je peux rien dire. C'est un beau tir. Pedro, Adeco. Non, c'est avec nous? Non, non, reviens là, Pedro, par contre. Hein. Pas parce que tu fais du 2-8 qu'il faut se barrer là. Il faut assumer. C'est justement en se faisant tabasser qu'on devient meilleur. Moi, dans la vie. Je me suis toujours fait tabasser à pont de bois. Je suis devenu meilleur aujourd'hui. Je me fais encore tabasser à pont de bois, mais comme j'y habite plus, je me fais plus tabasser à pont de bois. Oh merde. Putain, ça va me bug, frère. Je sais. Tain, mais ils sont pas drôles. C'est quoi ça? Ils ont attendu 15 ans pour que tout le monde soit là pour me faire la peau en même temps. Je suis au scout, calme hein. Dites-moi un seul truc que Valorant a inventé. Une seule idée que Valorant a eue. En termes de gameplay, hein, je dis pas les persos et tout, y a zéro. Moi je trouve ça bien de pouvoir s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, qui a marché ou pas marché, et juste l'appliquer si c'est ce que les joueurs aiment. Par exemple, le menu comme ça, bon moi je suis pas fan, hein, mais je pense qu'à terme c'est plus accessible qu'un menu où tu dois ouvrir chaque catégorie pour voir ce qui est possible de faire. Personnellement je préfère pas, mais à la vue d'avoir des nouveaux joueurs, je trouve ça mieux. Allez, baisse ton père avec ta bite là. Last is in the gursa. Oh non. Nice. Freestyle, c'était du skateboard. Ah, sur Saint Poulet. Mais pourquoi on a deux gars qui livrent? Les gars, c'est CS2, appréciez un peu le moment. Ah, les gars, ils sont dans la bêta, ils ont la chance d'être. Ah, et ils font. Ah.
quoi ce bordel? Outside. Oh, many outside. Il est au courant qu'on a la bombe ou pas ce... Bon. Bon, il ronfle, hein. Ah, bien correctement. Mais ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi dans, dans mon équipe, c'est des chaussures? I boost. Ah, on vous baise. On vous baise ou je vous baise, je sais pas. Comment il est pas mort? Il a 9 HP. Ah ouais. Pedro il s'est barré genre au 5ème round. Tu peux nous refaire écouter le son d'hier où ça parle de tonton Adolphe? Non. C'est haram. En vrai je peux essayer de mettre un instant au hasard et on capture un mot. Out of context, ça va jamais être dangereux. Les juifs. Les jus de pomme c'est vraiment bon, c'est ça qu'il dit je crois. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a moyen de se mettre entre les deux? Si on fait... Ah, je l'ai. Putain. Dommage. Ça aurait été un truc de fou. SoundCloud. Non, mais y a pas assez... Oh, mais attends, ça joue! Je croyais que c'était le warm-up! Je faisais n'importe quoi, moi, je croyais que c'était le warm-up. Et voilà, c'est... Ah, mais en plus, on a le Kevlar et tout d'office. D'office. Frère, je suis au pire endroit pour jouer pompe. Ah mais y'a pas de collision. Nice guys, bro, good. Lourd, on tue des bots, c'est trop cool. Ah bah super, je tue que les bots et le reste ils me tuent. Ça gigote, ça PVP ou quoi? Putain. Je me sens comme, comme aux émeutes là quand je casse une vitre. Ça me donne envie d'aller braquer des footlockers, tout ça. Est-ce qu'ils vont améliorer les sanctions pour les communications abusives? Les gens qui font que insulter ou spam le vocal? Franchement, je sais pas, hein, je travaille pas chez Steam. Mais selon mon analyse, les gens qui spam le vocal, ils méritent les mêmes bans. Après c'est bien quand même d'être laxiste parce qu'on veut pas non plus perdre nos joueurs, tu vois, si le gars il se fait ban trop souvent. C'est marrant de trash talk quand même de temps en temps. Donc ce genre de choses, à mon avis, le vocal des games, je vois pas pourquoi il pourrait pas être capturé. Alors que sur Faceit c'est le cas. Sur Faceit le vocal est capturé, hein. Même je crois quand tu fais une démo le vocal est... Non? Eh, on l'entend, il est là je crois. Ah non, même pas. Si on teste le T-side là, ça va pas le faire. Ouf. Bruno, hein. Excuse-nous, Bruno. Je crois que l'autre, il a pas compris le... Mais je crois que les deux, ils ont pas compris le but du mode, hein. Ah. Si lui, il a compris, je pense. Juste l'adversaire, il a pas compris. Allez, bah, allez, il va rien se passer. Ah, fiasco, frère. Les mêmes CS sont plus vitées que des monuments historiques, mais peut-être pas autant que la mer à gris. Bah ça c'est sûr. Après c'est pas trop comparable des monuments historiques à des maps de jeux vidéo.